Et bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Ouais, je reviens à peu près avec la même voix qu'hier soir. Hein. Voilà, bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes très contents parce qu'on a un ciel bleu magnifique, vous voyez comme quoi ça tourne. Et je pense qu'on va pouvoir faire une superbe journée. Voilà, on se retrouve ici en direct à l'Évance, donc deuxième étape de ce circuit PPF. Voilà, Jean-Michel a conservé un peu de 2024. voix. Oui, j'ai conservé un peu de voix pour vous ce matin. Donc, Heureusement, heureusement. Voilà, et on vous propose une partie pour commencer cette journée. Ben voilà, et que dire d'autre? Dylan Rocher, Stéphane Robineau, Jean-François Hinon, opposé à Sébastien Chazel, Jérémy Fernandez et et Rinaldo Rinaldo Ullmann. Ullmann. Voilà. Donc voilà, un gros choc déjà, ce huitième de finale. Voilà, les deux équipes vraiment favorites qui restaient. Suite à un peu à l'hécatombe hier, hein, des grosses Ah, des cylindrées, gros, on oui, disait. il y a Mais bon, beaucoup. il y a quand même encore quelques très très belles équipes, je vois ici, sur ce magnifique carré d'honneur. Enfin, une très grosse surprise, hein, Oh, ouais, on a eu des. Ben oui, ben, tu les sais, têtes ça de va série avec. Hein, tombées, à la ouais. pétanque, rien n'est dit, rien n'est joué d'avance. Il faut jouer toutes les parties. Voilà, on va vous présenter cette partie. Donc Sébastien Chazel, lui, il est Ardéchois, il est d'ici, comme Rinaldo Ullmann. Et ils sont associés à Jérémy Fernandez. Jérémy, on ne le présente plus. Ah, une belle Voilà. partie en Il a joué des perspective. années avec Michael Bonneto. Ouais, il a été vice-champion de France. Il a gagné le trophée d'avril avec Marseille, Jérémy Fernandez. Voilà, une très très belle affiche qu'on vous propose ce matin. Et voilà, vous allez voir. On va lancer tout de suite. Donc déjà le premier but qui était tout juste à la distance. Et c'est Jean-François Hunon qui va avoir la primeur De de lancer démarrer. cette première boule, et c'est fait. Et Ma foi. on va pouvoir afficher donc le score. Voilà. Allez, Voilà. c'est parti. Allez. Voilà déjà une première boule. Pour Jean-François Hunon, alors on l'a dit hier, les terrains sont très difficiles, en plus ce matin, ben voilà, c'est la première boule du matin, elle lui a un peu échappé. Ah, Sébastien, lui, qui continue comme hier à envoyer ses boules à la perfection. On a l'ombre. Oui, on va avoir un peu d'ombre là Au pendant départ, dans un sens, oui. quelques minutes ici. Donc on va essayer de vous proposer des plans au mieux. Alors Jean-Michel, tu connais mieux les joueurs de pétanque que moi, puisque il y a plus de trop longues années que tu t'intéresses à la pétanque. Alors c'est vrai que sur le plateau qui reste, à part deux trois équipes un petit peu. Ah ben moi je peux vous dire qu'il y a de Connu. très très bons joueurs là qui sont Ah toujours là, ouais. puisque je vois là-bas sur le cadre numéro 1 l'équipe donc de Sissou Cantarell. Qui est opposé à l'équipe de Luc Lail. Donc Luc Lail est une sorte que champion de France, c'est bête, D'accord, ben tu oui. vois. Donc Luc à Notre côté, ami Alexandre, Alex Alexandre qui s'est qualifié, et qui s'est bravo. qualifié. On a toujours l'équipe de Laurent Dumont qui est là, qui Ouais, joue aussi. contre la magnifique équipe de Delson Boulanger. Delson Boulanger aussi champion de France jeune. Donc c'est l'Occitanie tout ça. Ensuite je vois, bah tiens, il y a l'équipe, donc l'équipe entre guillemets. Entre guillemets, je dis bien, hein, surprise, c'est le fils de Jean-Michel Jean-Michel Puccinelli, Puccinelli, Enzo. ouais. Enzo qui est là, qui fait sa partie. Salut. Alors je vois pas contre qui, j'arrive pas à voir d'ici. Donc je vous donnerai exactement. Enfin, quoi qu'il en soit, vous avez tout le tirage en direct sur notre page. Vous avez qu'à suivre le lien. Et pour l'instant, sur ce qui nous. Je regarde de l'autre côté, oui, il y a l'équipe de William Francon avec Steve Jimenez et Romain Zimmermann.
contre l'équipe de Frédéric Caz, encore un autre champion de France, notre seul et unique champion de France de tir de précision. Donc je vois encore Joël Malatesta, le tombeur de Henri Lacroix notamment et d'autres, qui est toujours sur les lieux. Je vois l'équipe de Bauer aussi. Donc, et il y a Jordan Scholl, encore un champion du monde de jeunes. Voilà, que du très beau monde, hein, je vous le dis. C'est bien, c'est bien. Mais c'est, d'ailleurs, hier, enfin d'ailleurs, l'équipe de Dylan Rocher a quand même bataillé, puisqu'ils s'en sont sortis 13-12 hein, pour passer. Ah, je vous dis, c'est très très serré. Ouais. On a vu vraiment de belles oppositions hier. Je vois ici aussi l'équipe du Sud. Donc c'est une équipe de chez nous avec de très très beaux talents, parce que je vois. Je vois Marc Cognard, qui est champion départemental, et, aussi bien donc tête à tête pétanque, mais aussi au jeu provençal, qui est associé à Antoine Navarro, le canonnier. Voilà, du très beau monde ce matin, et on a déjà, je pense, pour moi, c'est le choc de la matinée, avec deux des prétendants ici à la victoire au Vence, donc les locaux, Rinaldo Hulman et Sébastien Chazel, les Ardéchois associés à Jérémy Fernandez, qui ont très bien entamé leur partie et qui ont mis tout de suite Dylan pression. Rocher. Ah ouais, oui, ouais. Dylan Rocher sous pression et Stéphane Robineau. Mais quel joueur c'est Dylan quand même. Matin tranquille. Ah mais Dylan c'est la force tranquille. Ouais, la force tranquille, c'est un. C'est pas pour rien qu'il est le meilleur au monde. Un grand joueur, un bon garçon, bon père, il gère bien sa carrière. C'est vraiment un exemple. Et c'est un exemple, hein, évidemment, au niveau français, mais oui. Au-delà des frontières. C'est aussi. Notre ambassadeur. Ah, ça, c'est clair. Ah, voilà. Jérémy s'est fait avoir, ouais. Lui aussi. Voilà, si on manque un peu de hauteur, il faut vraiment les freiner, les boules. Voilà, plus de parapluie sur les caméras, plus de kawé. Et un ciel magnifique. Ouais, comme quoi, d'un jour à l'autre. Oui, là-bas, je vois aussi le jeune Enzo Pérez, qui a été champion d'Europe avec Monaco. Avec Dylan Carterade et Sanchez Ruffino. Voilà, que de, je vous dis, que du bon monde, n'est-ce pas, madame? Voilà, merci pour les images, Doumé, François à la réalisation, qui n'a pas bougé une seconde toute la journée hier pour vous proposer ces images. Et oui, hier soir on a fini très très tard, hein, on a fini à minuit. Ce matin. On te conseille de boire de l'eau chaude. Ouais. Je ne sais pas, ouais, j'ai jamais essayé. Deux boules par messieurs. Les arbitres qui est en train de sevrer sur la table de marque. Oui, comme quoi ils ont bien fait de tirer l'équipe de Dylan Rocher là sur ces points, parce que la pointe est vraiment assez compliquée. On l'a vu hier, on le revoit ce matin. Voilà, même avec des joueurs de grande classe, de talent, c'est compliqué ce matin. Donc dès qu'il y a une boule aux alentours des 40-50 autour du but, il faut attaquer le tir, et c'est ce qu'ils ont fait. Stéphane est rentré dans sa boule, j'ai l'impression. Il y en a deux. Qu'il y a deux. Au moins deux points. Ouais, il y a deux points, je pense. Peut-être trois. On va vérifier tout de suite.
6 et 2 ou 3. Et vous êtes déjà très nombreux, oui. À 9h du matin, nous suivre, merci. Oui, et... c'est bien 3, donc comme quoi, voilà, ils étaient partis avec 2 boules de retard et à la sortie. Ils en sortent points. Bien, ouais, tout à fait. C'était 3 ? Oui. Et oui, Pascal, pendant que tu regardes, toi, ce magnifique soleil, le clocher de l'église, ouais. Et cette magnifique ville des Vences ici, ouais. Pendant ce temps, les joueurs, ils se sont affairés d'entrer. Tout le monde est sérieux et concentré sur ce carré d'honneur. Et Pietri, Philippe Pietri qui est déjà debout, alors qu'il n'a pas dû se coucher très tôt, comme nous, je pense, avec sa très belle appoint. Pour Jean-François Hinault. Voilà, il a su se reprendre tout de suite. Alors là, on est dans la montée, c'est peut-être un peu plus simple. Allez. Chiqué. C'est chiqué pour Rinaldo Hulman. Ouais. Pas encore sur la tête. Sur la tête, mais ça suffit pour... Un très bon joueur, Rinaldo Hulman. Il ouais, faut mettre un peu les organismes en chauffe, comme on dit. Alors, à partir des 8e, donc, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, vous le savez que les joueurs commencent... On l'a dit, répété hier, tout le monde est homogène là, aujourd'hui. Oui, ça c'est tant mieux. Esthétique, et en plus on voit qui joue avec qui. Et voilà, à partir d'aujourd'hui, à partir des 8e, eh bien, les joueurs qui commencent à engranger des points, hein, évidemment. Oui, donc voilà. Et ça c'est important. Très belle appoint pour Sébastien Chazel, lui aussi. Multiple fois champion de l'Ardèche. Et Dylan, lui, c'est... Ça, quand on le voit tirer, ça a l'air facile. Il envoie. Il se pose pas de questions, il rentre son bras gauche. Ah ben, bon, et, ça va bien. Comme on l'a dit, nos spectateurs, c'est une machine. C'est ça. Ah, très belle appui encore. Ouais, ouais. À Dylan, de toujours. Il préfère le rencontrer le plus tard possible dans la compétition. C'est sûr que c'est un sacré client. Hein. Il est aussi multiple champion du monde. Mais je peux vous dire qu'en face, ouais, ça joue, bien sûr. On a une équipe quand même très homogène, très complète. Quand ils vont trouver leur rythme de croisière. Hier, ils ont fait du très beau jeu. Je les ai un peu suivis sur la journée. Bien. Oh, c'est magnifique. Bien. Mais non. Allez. De tirer deux fois pour essayer de faire rentrer. Et voilà, on nous sommes oui, déjà... On se rappelle, il y a les deux palets de Dylan sont restés, la boule de Jean-François Hunon. Donc on va tenter la grosse semaine.
partir. Ah, c'est juste pas bon. Bon, Stéphane. On nous amène le café. Voilà, on remercie Laetitia. Laetitia du Roi Solaire. Donc du coup, ben là. Donc on va changer le fusil d'épaule, puisqu'il s'est enrayé sur la première cartouche. Et Dylan qui demande à Stéphane de faire presque un miracle, c'est-à-dire d'aller essayer de traîner le but sur l'arrière. Mais bon, en prenant le risque de taper sur sa boule, je pense que je prendrai pas le risque. Moi, 3-0, en rajouter un, ça ferait 5. Bon, il y avait une opportunité, genre, ils ont essayé de la saisir. Ça n'a pas marché, il faut changer. Voilà, il faut reprendre la voie de la sagesse et de la prudence, je pense. Parce que le terrain n'est pas assez facile. Ça aurait été un terrain sablonneux, on aurait pu tenter de jouer le but, mais là c'est compliqué. Voilà. Ça doit y être. C'est rajouté, oui, c'est 2 points supplémentaires. Mais écoutez, nous sommes déjà plus de 2000 et il est 9h15 du matin. Et oui, bah, c'est tout. C'est super. Ah ouais. Je pense qu'on... L'engouement de la pétanque. Il ouais. y a plus de monde devant leur petit écran là que sur le pas de la porte de l'église pour un dimanche. comme quoi, les choses évoluent, mon cher Pascal. Et oui. Plus de... On dirait. Bon, les entrées sont gratuites dans les deux. Le spectacle est différent. Non, on va jouer à courte distance. Hein. Tiens, on est même de l'île de la Réunion. Bonjour à tous. À tous celles et ceux qui nous suivent du bout du monde. Ouais. Le Médoc, hein, aussi d'autres régions. On a vu hier. Jean-François Hinault a fait un super bas point encore. Hein. Il va falloir que Rinaldo et Jérémy, je pense, prennent l'option de tir. Bon, il faut réussir à chaque fois. Mais si on ne veut pas subir, voilà, c'est bien fait. Allez, si on ne veut pas subir, il va falloir attaquer tout de suite. Surtout que Sébastien Chazelle, qui là est dans son rôle de pointeur, est quand même un sacré tireur. C'est la même. Joli point. Encore. C'est ça. C'est poussé. C'est cadré encore une fois pour Rinaldo Hulman. Je pense que ça va continuer sur le même scénario. L'équipe du Fréjus International Pétanque, qui je pense est une des dernières équipes homogènes ici sur le carré d'honneur, une équipe de club. Ah, c'est bien fait encore pour Stéphane Robineau. Jérémy Fernandez, il va falloir qu'il y aille au tir maintenant. Ouais, Jérémy, je pense qu'il va, sur ces terrains-là, il va préférer tirer lui aussi. Voilà. Et il y en a 3. Ouais, elle est restée aussi. Allez, il va falloir aller jusqu'au bout. Ah ben, je pense que ça va être le jeu. Hein. On a d'un côté, entre guillemets, le gibier, et de l'autre côté, les chasseurs. Armés de leurs fusils. Et tu connais la différence entre un bon et un mauvais chasseur? Ah, il y en a beaucoup, mais notamment une qui est le bon tire. Chasseur. Tire. Effectivement, on a les mêmes références, mon cher Pascal. Ah, c'est bien repris encore.
Non, à cette distance-là, je pense que voilà, si on enlève bien la boule, c'est difficile de s'égarer. Il faut pas rater là. Ben, je pense qu'ils vont aller jusqu'au bout. Hein. Et voilà, c'est tapé. Et il y a toujours 3 points au sol. La boule de Jérémy est en sortie du cadre. Donc 3 points à défendre. 2 boules contre 2. Pour Sébastien Chazelle maintenant. Bon, on va essayer encore de venir très près du but. Et après, on réfléchira pour la dernière boule. Où est-ce qu'on la met? Sébastien Chazelle. La boule dans l'ombre. Le pointeur qui tient. Hein. C'est la première de la journée. Et voilà. Je vous l'avais dit, il y en a 4 au sol maintenant. Voilà. On va défendre 4 points. Donc on va voir avec si est-ce que Dylan. Je vous l'ai dit, Sébastien Chazelle, un sacré joueur ici. Très connu. L'art des choix. Bon, mais finalement, on décide de le faire très bon, quoi qu'il en soit. On n'essaye pas d'essayer de masquer la boule ou d'essayer de se mettre près des lignes. On joue le jeu jusqu'au bout. On essaye d'embouchonner si possible. Voilà, c'est gagné. Elle est au même endroit. Allez, une boule qui vaut cher. Ah ben, elle vaut 4, elle vaut déjà, ouais. Elle vaut déjà les qualités. Voilà. Elle vaut 5 au carreau. Ah oui, tout à fait. Donc, Sébastien pousse, ils reviendront dans la partie tout de suite. Et il a fait carreau. C'est fait. Voilà, je vous l'avais dit. Ah, ils ont pas faibli, ils n'ont pas eu peur. Non, pas du tout, non, c'est pas des joueurs qui ont peur. Non, mais bon. C'est dur, Pascal. Voilà, pour ceux qui, pour tous ceux qui doutaient de la force de frappe de cette équipe en blanc, voilà, je vous l'ai dit, bon, effectivement, c'était pas loin, mais il fallait les faire là. Oui, bien sûr. On a mis les compteurs à zéro, 5 voilà. Partout. Voilà, on se retrouve à égalité, 5 partout. Voilà, on est revenu tout de suite dans la partie pour les blancs. Ça va leur donner de... Ah ben là, ça remet de la confiance. Ouais, parce que ça là, remet de la confiance, de l'énergie. Si ne serait-ce que chiqué, ça aurait été... entre guillemets pas catastrophique mais presque puisque ça aurait donné un coup au moral alors que là ça les remet tout de suite dans le bain. Ouais, super oui. On promet une bonne confrontation. Eh ben là pour rien. Oui non mais Sébastien très complet. Et voilà, là, on va repartir dans l'autre sens. Mais c'est pas les pour Dylan. Dans son style, toujours caractéristique de Dylan. L'albatros qui s'envole, mais très efficace. Voilà. Tiens. Je profite pour saluer mon ami Jaime Arraguas qui nous suit de Barcelone. Et c'est un des plus fidèles. Hein. Il nous suit tout le temps. Donc je le salue à lui, à sa femme Rosalie, à sa fille Norma. Salut à toute la famille. Eh ben, ah, c'est une belle reprise. Hein. Évident à reprendre ce point là sur le petit palais de Dylan Rocher. Là, on a vu Jérémy en difficulté à la pointe, plus à l'aise au tir. Du contrôle de boule, toutes les boules sont conformes à la réglementation de la Fédération française de pétanque et de jeux
provençal. Merci aux deux équipes de leur patience pour ce contrôle de boule. Voilà, il est court, Jérémy, là. Là, la montée, il est là, peut-être un peu haut. Il est moins à l'aise, Jérémy, maintenant, lui qui fait le tireur toute l'année. Alors, est-ce que ça vaudrait le coup d'aller tirer et de casser du poing? Je pense, voilà. On va essayer de casser du poing, pourquoi pas essayer de faire un petit carreau qui rattraperait. Et nos amis du Texas qui nous ont rejoints, Arsène Dupin, salut, on vous salue. Yeah, hello from Texas. Hello everybody. Voilà, voilà l'engouement de la pétanque dans nos régions et dans de nombreux pays. Voilà, on vient de récupérer les micro-joueurs, donc on va pouvoir entendre d'un côté Jean-François Hunon et de l'autre côté c'est Jérémy Fernandez qui a le micro. Est-ce que c'est repris? J'ai l'impression oui. Voilà, c'était l'essentiel pour Jean-François Hunon de venir reprendre tout de suite. J'ai pris du large, mais bon, il fallait pas la rentrer. Maintenant, Jérémy de venir avec sa boule, pourquoi oui, pas. Deux. Voilà, il va jouer face à sa boule, pas se gêner, c'est repris. Ah, allez, Stéphane Robineau. Tu vois, il va devoir aller tirer cette boule. L'île de Bora Bora. Voilà, c'est de partout. C'est bien Stéphane. Allez, mon gars. Allez, essaye de le gagner, fais le jouer. Oui. C'est ça. Ah mais le jeu de vraiment je vois. On va passer mais. Oula. Ouf, il a dû prendre, non? Non, je pense pas. Effectivement, il n'est pas rentré, le point est toujours sur la boule de Jean-François Hunon qu'on voit sur le fond là, à droite de votre écran. Ouais, je pense qu'il y a un peu de place quand même pour aller rajouter. Ah ouais, continue à avancer. Après, tu réponds même sur la dalle ? Toujours la même. Je suis dans ma dalle. Ouais, c'est ça. Je vais un peu rentrer. Si tu ne mets pas d'auteur, après tu me perds beaucoup. Aïe. Si, non, elle est rentrée aussi. Elle est bien revenue. Parce que ça devrait être une formalité là pour Stéphane Robineau de venir ajouter. Voilà, il va pas prendre de risque, il va jouer à l'écart avec un petit effet rentrant. Voilà, l'Algérie nous regarde aussi. On voit, c'est vraiment. Il suffit d'avoir une connexion internet, vous loguez sur le site Passion Pétanque Française et vous nous suivez en direct. L'Algérie, le Maroc, voilà, c'est. Voilà, je vous l'ai dit, l'effet rentrant, bravo, Stéphane. Donc ça sera 3 points supplémentaires là pour l'équipe de Dylan Rocher et il repasser en tête pour mener 8 à 5.
on a décidé de jouer un peu plus loin et pour éviter la main précédente là où on avait pris 6 frappes. Donc là ça descend quand même, il faut faire attention. Parce qu'on est dans le côté descente, faire attention de ne pas jouer trop long. Ouais, c'est pas mal parce que c'est bien, pas simple, comme je l'ai dit tout à l'heure, un point à 50 cm là il peut se perdre. Bon, ça fait un peu de bruit mais ça c'est Pascal qui se déplace. Allez frérot, c'est de le gagner. Ah, il est resté coincé complètement, il est resté coincé sur sa boule. Hein. Il n'a pas avancé. C'est ça, c'est tanké. Vous l'entendez. Allez, baisse de force, pas grave. Ah, il a effacé sa boule, il a sûrement réussi le coup, effectivement, il a réussi le coup de venir rentrer dans sa boule, Sébastien Chazel, il a fait le point. Ça, si je peux même passer et me mettre un petit, si je prends pas, me mettre devant, là c'est bien. François Hillon qui va essayer de reprendre tout de suite le point là, lui qui est gaucher, il a un peu plus d'espace. Allez là là, totalement sorti à la frappe. Ouais, c'est noyé. Ah bah ça c'est le. Ouais, c'est ça. Voilà, hier on a vu en fait il y a une cassure qui est faite sur ce côté-là, vous voyez là où Dylan a montré le pied. Il y a une cassure qui est là, il faut faire attention de ne pas taper dedans. Sinon on est complètement dévié. Voilà, il faut faire attention. Ah j'aurais pu faire quelque chose. Moi je pense que Dylan aurait pu aller tirer. Parce qu'il est compliqué la pointe, surtout comme ça, à 9,50 m. Voilà, concentration, c'est ça Robino. Et voilà, je vous l'ai dit, le risque, il était là. Moi je pense que Dylan aurait bien fait d'aller tirer. C'est déjà deux boules de gaspillé, en plus il a rentré un deuxième point. Peut-être que Dylan va tirer dans les deux boules là. On sait pas, hein. C'est nous hein, parce que toi tu pointais bien. Ah oui, pas de commode hein. Allez mon Didi. Eh oui. Essaye de nous aider. Je voulais pas faire ça, je vais plus bas. Parce que Dylan est capable de faire carreau dans les deux là et de rattraper un peu la main. Ah, Dylan a pris le tic de Diego Rizzi, hein, d'aller nettoyer dans le cercle. Voilà. Ouais, j'ai compté, il a enlevé 328 cailloux, on demandera de les remettre tout à l'heure. C'est pas ta main en plus.
Bien Didier. Il a cassé une. Ouais, il a cassé une, il est bien droit sur la celle de gauche. Il est resté pas très loin, moi je pense qu'il faudrait peut-être retirer encore un coup. Quatre boules en face. Ouais, ben, il faut, oui, mais il faut casser du point là, c'est la pointe est trop compliquée. Un petit carreau serait bienvenu là. Oh, ça rattraperait, mais déjà une frappe ça serait bien parce que le point déjà en fonctionnement qui est derrière, il peut se perdre une fois. Voilà, c'est fait, c'est tapé, c'est cadré. Maintenant il faut voir venir. Et donc ça ne nous a pas arrangé. Ça ne nous a pas arrangé. Le point est pas vraiment pas simple. Problème. Je vous dis. Hein. Ah, c'est grave de pointer comme ça. Et on le voit bien que les pointeurs. Là ils sont. C'est dans une zone qui est vraiment avec le goudron qui est cassé à cet endroit-là. Il faut faire vraiment très attention. Peut-être les faire partir un peu plus tôt. Mais il faut éviter. Voilà la mauvaise zone. Oui. Ben non. Ouais, c'est encore perdu ce point là derrière. Ils ont bien fait de tirer. Ah bah je te le dis. Ouais, ça pointe pas une les gars. On voit l'importance des pointeurs, hein. On en parlait. Alors des pointeurs certes, mais c'est surtout de. Parce que Jérémy il est quand même un sacré joueur, il a été. Il est champion de Bouches-du-Rhône tête à tête. L'année dernière, je peux vous dire que c'est. S'il n'y arrive pas, c'est que c'est compliqué. Il y en a tu vas la gagner toi frère, non? Allez, gagne la main. On a qu'à jeter ou ça complique la vie là. Ah, il a dû gagner. J'ai l'impression. Ouais, ça a gagné. Ouais. Ouais, c'est gagné. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, ça sera pas une grosse main. Parce que là, il n'y a plus rien devant. C'est sa main. Hein? On sait pas. Allez, mon Roby. Ouais, que... Je vais assurer pour la suivre. J'assure plus rien. J'ai l'impression que je me sens assez bon. Hein. Allez mon gars, fais le marquer mon frère. Bon, bah. Allez frérot, fais le marquer frère, allez. Voilà ce qu'il y a Ronaldo. Voilà. C'est le tireur qui a le ball. Allez Ronaldo. On pourrait taper. Et il se dira sur la marque. Aïe. Juste un point long. Et c'est un point supplémentaire. Et c'est un point ouais, pour l'équipe Rocher qui s'en sort bien. Hein. Ouais finalement, tu vois comme quoi, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Même avec une boule de retard, les deux tirs de Dylan ont fait de la place. On profite que Jérémy Fernandez est un peu moins bien à la pointe. Du coup, il a rendu les deux boules. Et vous êtes désormais plus de 3000 à nous suivre ce matin. Merci pour votre fidélité. Et l'amour que vous portez à la pétanque. Oui, bah voilà. C'est un peu au milieu là. On a décidé de la poser à 6 mètres et de on refaire. C'est la première qui au moins on peut cadrer. Il y a rien 4 boules à une et ils en ont perdu, hein, c'est ça. Oui, mais ils ont manqué 3 fois. Ouais, donc, quand on regarde bien, Jérémy est long, puis court et. Et Ronaldo a manqué sa boule, donc du coup on était boule à boule. Bah, j'ai la première, c'est plus grand, on appelle le 3. Ouais. Le tournement ? Ouais. L'Alsace, le Luxembourg. Et l'engouement. Pour notre sport. Ouais, ils vont essayer
Voilà, on va essayer de faire la main de tir. On a envoyé pas loin, on va essayer de refaire, réitérer exactement la même chose que tout à l'heure, refaire une main de tir si possible pour l'équipe de Sébastien Chazel. Ils sont plus à l'aise au tir qu'au point. Bien, Chabin. Ça va bien, là. On tire une pour voir, ça se donne. Oui, tu as raison. Dylan a pris. À force de jouer avec Crazy, il y a nettoyage pour ne pas avoir de cailloux qui dérangent les semelles. Ouais. Mais tu vois, on attaque, on contre-attaque tout de suite. Oh là là. Tiens, tiens. Voilà. Il s'est un peu envolé. Il a sauté la boule. Voilà, c'est des jeux tellement difficiles à la pointe. C'est la première. On décide de contre-attaquer, de tirer. Aïe. Ah, c'est bon, je vois pas. Ouais. Pas il a gagné d'après Dylan. Ouf, et ben voilà. Un trou chacun. Avec Rinaldo, on ne sait pas, ça peut pas le faire, ça va prendre quel côté il la prend. De toute façon, il est condamné maintenant, Rinaldo va aller taper, aller cadrer. Déjà au moins pour casser la gagne. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Casser les deux, il est resté. Il a écarté la sienne, mais bon, au moins, on tape, on casse la gagne. Non. Bien, mon Roby. C'est repris par Stéphane. Allez, Grando, tu vas pour moi, ça va. Allez, frigo. Bravo, eh ben, bravo. Très beau carreau. Oh, voilà, c'est ralenti. Voilà. Carreau qui se rapproche du but. De risque du côté de l'équipe de Dylan Rocher. Il y a quand même deux points par terre, deux boules à deux. Ça suffira pas. Que Dylan aille prendre le risque.
Après, on ne prend pas le risque. Oui. Non, non, non. 4 points d'avance, on ne va pas prendre le risque. Après, Stéphane est en train de lui dire que la boule est en contre, pourquoi pas. Il essaie d'être pointé. Ben, je suis d'accord aussi. Ouais, mais déjà, il préfère en perdre qu'un s'il arrive à bien serrer le jeu. Voilà. Voilà. Je mets la prudence. Oui, c'est mieux. Maintenant, voilà, c'est assez serré pour essayer de rajouter un autre. Ouais. Allez, mon cher, fais-le. Ah, il reste pousser le but. Pas évident sur la PLS. On va la donner. Oui, ils ont deux boules derrière, mais c'est vraiment risque que de jouer le but. Ah, il a fait. Bravo, mon cher, bien. Alors, on va vérifier. 3. J'ai l'impression. Je sais pas. Il a réussi. Là, il a réussi. C'est sur ce terrain vraiment compliqué. Il a réussi quand même à prendre le but. C'est ce qu'il cherchait à faire. C'est bon. Elle appelle à l'arbitre. Ouais, ça a l'air important, évidemment. Puisque non, c'est important, ouais, mais ça a l'air juste. Milliers, du coup, 9-5, s'il y en a 3. Je suis là. Ils reviennent. Edwin, tu l'as lié ? Mesure le 4ème. Donc déjà 3, ouais, mesure le 4ème. Ouais, ouais. Faudrait que je mette le 3 déjà, c'est sûr. Alors, Eric, revenir, s'il te plaît, l'arbitre, il faudrait que tu viennes dans le carré d'honneur pour aider l'arbitre principal. Merci. Voilà, on attend un second arbitre. Voilà, il arrive sur le côté. Il a réussi, hein. Il n'y a rien à dire. Moi, j'étais plutôt pour tirer. Voilà, nos deux arbitres à l'œuvre. Oui, c'est ça. Ouais, je vous rappelle, on mesure le 4ème point sur cette action brillante de Sébastien Chazel qui est venu jouer le but. Un point pour remonter égalité. C'est toutefois il y était. Il est juste, hein, j'ai l'impression. Donc il y en a 4. C'est bien ça. Eh bien 9 partout, c'est. Après c'est beaucoup de bouchons là. Là c'est magnifique. Ouais. Hein, c'était annoncé. Voilà une partie bien relancée. Le but sera à distance réglementaire, j'ai l'impression qu'il est juste à 6 mètres. Donc Jérémy marque le but. On va le vérifier. Il doit être bon. Il n'a pas une erreur. Effectivement, 6 mètres 20. Non, elle n'était pas droite. Allez, mon chien continue. Oui, c'est ça. Là, je vais me réveiller, moi. Là, je suis en train de... Pour 2000, il y en a un moins.
Effectivement, si on doit mesurer le volume de jeu, c'est Sébastien Chazel. Énorme pour l'instant. Salut Patrick, merci pour ton coucou. Ah oui, t'as le droit. Ouais, c'est pas mal là. On prend pas trop le risque dès la première boule d'aller se faire tirer dessus. Ouais, c'est ça. François, non. Voilà, c'est bien. Ouais. Frappé par Jérémy. Tourner, je pense, et Jérémy quand même plus efficace au tir qu'au point, on l'a vu. Donc il y a une première, un premier huitième de finale qui vient de se terminer avec la victoire deux fois, non, avec la victoire de Marc Cognard, Adel Jaffari et Antoine Navarro sur le cadre 4, donc les premiers qualifiés pour ce quart de finale. Allez, c'est repoussé. C'est à peu près propre là où je tombe. Une idée. Voilà. Allez, donc on descend à la première équipe qualifiée pour les quarts de finale du challenge Uber. Froment, Adel Jaffari, Marc Cognard et Antoine Navarro, donc première équipe qualifiée pour les quarts de finale. Ils vont tirer la case numéro 8. Une belle reprise là de Stéphane, ouais. Une fois. Continue toi. Voilà, c'est pas loin. Allez, Gnardo. Eh oui, continue toi. Ouais, parce que tout à l'heure, faut pas oublier qu'ils ont fait 5 points. Ouais, mais grâce à son carreau surtout, il a fait énormément de bien. Ah, ouais, ben voilà. Ah, sacré joueur, ce Ronaldo Neumann. C'est chaud, c'est chaud. Belle partie. Ouais, ça se resserre maintenant pour aller gagner ce point. Il y a moins de place. Peut-être repris ou peut-être un poil long, je sais pas. Ouais, le carreau de Rinaldo, je vous l'ai dit, ça a resserré. Il est un peu long, Stéphane. Ouais, c'est tout juste perdu. Ah non, c'est sûr. Malheureusement, on ne peut plus prendre le risque pour Dylan Rocher d'aller tirer. C'est belle chose. Bien repris pour Dylan. Ouais, mon frère, encore un effort là. Allez, frérot, c'est le tien ça. Oh, c'est pas loin. Oh, bravo, frère, bien. Avec des placements de but. Oui, non, mais ça a pratiquement rien changé puisque. La boule de Stéphane Robineau tenait un second. Maintenant, c'est peut-être un peu plus compliqué pour Dylan Rocher pour le gagner, lui qui est gaucher. C'est ta boule, ça. C'est ta boule, voilà. Il faut surtout pas s'égarer pour Dylan.
parce qu'il laisserait la gagne à Sébastien Chazel. Il faut faire très attention. C'est chaud. Quitte à le perdre, il faut venir dans les boules. Oh bravo, ah, bon. Plus que ça. Super. Ah, c'est ouais. Vraiment très très bien joué de la part de l'homme Rocher. Et Dylan qui est venu un redoutable concurrent aussi au point. On le connaît tous, mais au point. Il va te faire de la concurrence bientôt. Il pointe mieux que toi. Il est court, Sébastien. Mais bravo Dylan, parce que il a récupéré ce point. Sébastien Chazel qui avait fait un jeu énorme là. Il est juste court et ça pardonne pas sur ces jeux-là, on vous l'a dit. Ça ramasse pas. C'était un tir de gagne déjà, Jean-Michel. Non, pas du tout. Non, parce qu'il y avait la boule de Stéphane. De Stéphane qui coupait un second. Mais bon, c'était une boule de marque déjà. Ouais. Non, c'est pour ça que c'était hyper important que Dylan au moins rentre. En plus de ça, il a gagné, il a tout fait. Voilà, malheureusement, il vient d'envoyer le but un peu trop loin et les Blancs vont pouvoir le reposer là, pas très loin. Et retenter la même chose. Voilà, on joue pas loin, on va jouer aux environs des 7 mètres. Voilà, il faut que Jean-François Unon vienne tout de suite mettre la pression, ouais, surtout pas s'égarer, essayer de jouer très bien. Voilà, c'est ce qu'il fait. Super. Voilà. Très très bien joué de la part de Jean-François Hunon. Il préfère en montée qu'en descente. En montée, c'est un peu plus simple quand on est pointeur. Il suffit de la retenir un peu. Et magnifique carreau déjà. Magnifique carreau, ouais, ça joue. Je vous le dis, ouais, c'est un plaisir. Hein. Ça y est, les organismes sont chauds maintenant. Et il va falloir tout de suite contre-attaquer, voilà, on ne fait pas l'erreur de tout à l'heure, on contre-attaque tout de suite et on prend plus de risques. Ouf. Il n'est pas droit, Dylan. C'est raté, Dylan. Ah, ça, ouais. Dylan, il apprécie les longues distances, il est un peu plus gêné, dira-t-on, lui avec son envergure. Là. Quand on joue court, pour son tir, il a du mal à déployer son geste. Je pense aussi. Faire tirer Roby. Et je pense que voilà, on va faire tirer Roby sur la boule et si ça va pas, on laissera une boule à Dylan pour aller tirer au but. Allez mon frère, c'est le gain de ta première là. Allez mon chat, continue toi. Allez mon chat. Allez mon vieux. Voilà les cloches du beffroi. Voilà, il est 10h, là, c'est le clocher de l'église que vous entendez. Oula. Ah. Alors c'est repris. A gagné, je pense. Ouais, je pense qu'il a gagné. Encore, tu as gagné, c'est bien. Regardez. On est 4 ou 3, tu as gagné, c'est bien.
bonne reprise encore. Vas-y. Allez, continue. Vas-y. Maintenant pour Jean-François Hinon de venir reprendre tout de suite le point. Aïe, ça c'est des... Mais soit on tire deux fois la boule et on laisse l'équipe adverse monter à 12. Soit on essaye de tirer le but, mais au risque de ne pas le sortir et de laisser la gagner. Et de laisser la gagner ensuite, parce que si on cadre deux fois, on peut gagner en face. Voilà, on va prendre le risque de prendre un carton jaune pour dépassement de la minute, mais c'est très important là. Ils ont 9, hein. J'irai au point. Enfin, personnellement, j'irai au point. Hein. Oui, mais tu pointes et tu prends deux carreaux et tu laisses taper gagner. Prends deux carreaux. D'un côté, oui. Pas si simple que ça. Salut Sophie. Ah, c'est pas très loin. Hein. Je pense qu'à ce niveau-là, on réfléchit. Là, si, c'était une très belle partie. Ou alors essayer de le gagner un peu en face, sur le but. Ouais, il peut venir face au but, face à la boule, Stéphane Urbino. Oui, en frappant deux fois, ils peuvent plus perdre non plus. Oui, oui, c'est pour ça, voilà, en tapant double, on ne perd plus, mais on les laisse monter à 12. Non. Maintenant, le gagnant, il faudra quand même deux carreaux en face. On tire deux fois, on ne perd plus, on peut faire un beau tir. Voilà, vous l'avez entendu. Là, on attend qu'on se fasse tirer dessus. On en tape deux, on perd plus déjà. Voilà ce que. En tapant deux fois, il ne perd de plus, ce que vient de dire Dylan. Voilà, si Roby venait à taper déjà celle-là, et ensuite, si Dylan venait faire un petit carreau, on peut rattraper. Voilà. Donc ils ont. Moment critique. Oui, mais ils ont quand même la chance que les arbitres n'ont pas l'œil sur eux, hein, parce qu'ils ont mis 3 minutes avant de décider. Je pense que c'est parce que les cloches ont sonné, on va là. Hein, on leur laisse un peu là. Aïe. Et voilà. Et c'est manqué. Oh putain. Pardon. Non, oui. Pardon, excusez-moi. Tu vois comme c'était l'heure et je peux vous dire que maintenant, je pense que la messe est dite. Si l'équipe de Ronaldo Human venait à concrétiser voilà, le nombre de boules qu'ils ont dans les mains. Allez, mon Didier, sur le mot. Voilà. Tu peux même pas tirer au but. En pointant, non ? Gagne-le ! S'il croise ou quoi ? Aïe, un petit peu de tension. C'est pas grave. Et puis vous êtes plus de 4100. Voilà, c'est repris. Voilà, si Jérémy venait de suite à cadrer déjà sur cette boule. On va peut-être avoir la première grande surprise là. Non, ce ne serait pas vraiment une surprise quand on voit l'équipe. Quand on voit le niveau de jeu. Mais... Pour toi, c'est une surprise parce que je sais que Dylan, c'est ton chouchou. Ouais. Que tu aurais aimé le voir jusqu'au bout. Oui, depuis, c'est frappé. On l'a vu en l'air. Ouais, il n'a pas cadré, donc peut-être que... Je t'appelle, je suis content. Voilà, donc il y a peut-être la chance là. L'équipe est qualifiée pour les quarts de finale du challenge UBR. Froment, Loïc, Ducor, Titoine, Olivier,
et Frédéric Case, qu'on retrouvera donc pour les quarts de finale. Ils ont tiré la case numéro 2, et donc pas d'adversaire pour le moment. Voilà, voilà l'équipe de Frédéric Case et Titouan Olivier, qui est un sacré tireur, aussi on l'avait vu sur notre antenne dernièrement. Et il faisait partie aussi du dernier carré. Il avait joué avec... Le point n'est pas très difficile à gagner, là. Ouais, frérot, ils ont gagné, là. S'ils rajoutent, ils ont gagné. Bravo, pas bien. Allez, mon frérot, fais-moi gagner, là. Allez, puis, c'est facile, c'est là, bon. Ouais, il est assez simple. Eh ben, je pense que l'équipe de Dylan Rocher... Stéphane Rouineau et de Hunon. Parce que ça rajoute, j'avais oublié la boule de fond. Quitter. Et voilà, c'était assez simple. Voilà, c'est terminé. C'est sur terminé. Le score de 13 à 10, je vous l'ai bravo dit. Pour cette équipe, Chazelle, Fernandez et Ullmann qui ont fait une très belle partie. Ouais, oui, ben c'est sûr. Voilà, une très belle équipe qui. Et en domaine, une fois 5, une fois 4 déjà. Oui, ils ont fait le nécessaire. Avec Sébastien Chazelle qui a été vraiment bon. On a vu aussi donc Renaud on va récupérer qui a été les micro-joueurs. Bravo qui les gars. Qui a été bon au tir. Jérémy Fernandez qui a été meilleur au tir qu'à la pointe. Voilà, il a repris, voilà, il a bien fait de tourner et de reprendre, ça a fait tourner. Enfin voilà, donc une partie somme toute qui était très équilibrée, qui a tourné, là on l'a vu sur cette dernière main. Et Rinaldo Ullmann surtout qui a fait les carreaux au bon moment pour retourner et pour remettre son équipe sur les bons rails. Voilà Pascal, ben, c'était bien mais déjà pour ce huitième, on a démarré fort. Ça a démarré fort ce matin. Ça a démarré fort ce matin. Merci à tous de nous avoir suivis, on va se retrouver assez rapidement pour un quart de finale. Donc on a déjà, donc on connaît trois équipes qualifiées pour ces quarts de finale et pas des moindres, je peux vous dire qu'il y a encore un très très bon plateau ici à l'Évance sur cette deuxième étape du PPF Tour 2024 Bailleroy Solaire. Voilà Pascal, on se retrouve tout à l'heure. Allez, on se retrouve tout à l'heure et aujourd'hui sous un grand ciel bleu, magnifique. C'est magnifique, voilà. Voilà, et moi je retrouve petit à petit ma voix, donc à tout à l'heure, merci. À tout à l'heure, merci beaucoup. Bye bye.